Faisant corps avec le village de Gors, l'église Saint-Étienne de Gors se dévoile lentement au fil d'un serpentement entre les maisons. Tout à coup, elle se découvre belle et majestueuse, trônant dans la lumière du soleil levant. Déjà, dès l'extérieur, elle nous surprend, à la fois massive et élégante. La façade formant pignon est ornée d'une rosace qui, hélas, a perdu son vitrail durant la Seconde Guerre mondiale. Cette façade présente un portail représentant la lapidation de Saint-Étienne auquel cette église est dédiée. Réalisée au début du XXe siècle, on peut voir Saint-Étienne en train de mourir sous les pierres qu'on lui lance avec deux anges qui lui apportent déjà une couronne de gloire, lui qui est, au nom de sa foi en Jésus-Christ, le premier martyr de l'histoire de la chrétienté. En continuant le tour de l'église, nous découvrons à proximité une croix faisant mémoire de l'ancien cimetière et surplombant l'ossuaire où reposent les anciens de cette terre de Gors, dont Pierre-Antoine Malherbe, dernier chanoine du chapitre de Gors. Se profile ensuite le clocher en bulbe d'oignon construit en 1824, qui abrite aujourd'hui une cloche de 1874 et deux de 1920. Nous découvrons aussi le grand portail, précédé d'un péristyle datant de 1910. Le tympan de cette porte est orné d'une Vierge en majesté, entourée de deux anges et de deux personnages en prière, en costume d'époque du XIIIe siècle. La petite porte, dite porte des prêtres, est surmontée d'un tympan du XIIe siècle, représentant le jugement dernier. Au son des trompettes, le Christ, les mains ouvertes, juge les morts qui ressuscitent, l'un tourné vers lui et l'autre englouti par un poisson monstre. Lorsqu'on pousse la petite porte à la clenche bien spécifique, nous entrons dans l'édifice. Un frisson nous envahit. Que c'est beau, que c'est grand. Trois nefs avec des voûtes romanes glissant vers le gothique nous accueillent et nous invitent déjà à regarder vers le ciel. Au passage, le regard s'arrête sur des chapiteaux ornés de fleurs, de feuillages ou de têtes. Quelle chance d'avoir encore cette église de transition quant au style, qui est un des premiers témoins de l'art gothique en Lorraine. L'église est baignée d'une lumière tamisée dans le chœur grâce aux vitraux du verrier Rémy de Nancy, réalisé en 1861. Il présente tour à tour Sainte-Catherine, Saint-Crodegan, Saint-Étienne, Saint-Clément et Sainte-Anne éduquant la petite Marie. Au centre, Saint-Étienne, saint patron de l'église. Il fut le premier diacre au 1er siècle et le premier martyr. À droite de Saint-Étienne, Saint-Clément revêt ici les traits d'un vieillard vénérable avec le graouli à ses pieds, ce monstre symbole du mal et du paganisme qui l'aurait terrassé. Car Clément, qui est venu évangéliser la région de Metz au IIIe siècle et qui a été le premier évêque de Metz, serait arrivé dans la région en passant par les hauteurs des côtes de Moselle, ainsi que témoigne la croix Saint-Clément entre Ancy et Gors. À gauche du vitrail de Saint-Étienne, nous pouvons aussi nous arrêter auprès de celui de Saint-Crodegan, qui évoque avec acuité l'histoire locale. Ce conseiller de Pépin le Bref et évêque de Metz au 8e siècle a fondé une abbaye bénédictine à Gors en 749. Elle est connue pour avoir contribué à l'élaboration et à la diffusion du plain chant messin que l'on nommera plus tard le chant grégorien, en l'honneur et en mémoire du pape Grégoire le Grand. Cette abbaye était aussi réputée pour son enseignement liturgique et monastique. Assiégée à plusieurs reprises au XVe et au XVIe siècle, elle est détruite complètement en 1580, fondation comprise. Si bien qu'aujourd'hui encore, son emplacement exact reste inconnu. Crodegan y avait déposé des reliques de Saint Gorgon, ce qui explique l'origine du nom de Gors.
Gorgon, était officier de la garde de l'empereur Dioclétien et il a refusé de renier sa foi au Christ. Après de longs supplices, il est mort en martyr à Rome vers 304. Vers 1070, Henri le Bon, 23e abbé de Gorce, a fait construire l'église. En 1596, après la destruction de l'abbaye, elle acquiert le statut de collégiale. Elle est partiellement incendiée pendant la guerre de 30 ans. Et dans le chœur repose le père Louis-Joseph Chevreau, dernier doyen du chapitre. Un Christ en bois polychrome attribué à l'école de Ligier-Richer au XVIe siècle se trouve au-dessus de la porte royale à l'intérieur de l'église. Ce crucifix a été restauré en 1764, ainsi que l'indique l'inscription au pied de la croix. Des boiseries en chêne sculptées encadrant six grandes toiles ont été posées dans le chœur en 1744. Ces peintures illustrent des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament qui évoquent toutes le salut. Le sacrifice d'Isaac, Jésus et la Samaritaine, la parabole de l'enfant prodigue, le sacrifice de Caïn et Abel, Agar et Ismaël dans le désert, et enfin les disciples d'Emmaüs. Après la Révolution française, l'église devient paroissiale. Au XIXe siècle, l'intérieur de l'église est réaménagé avec la pose du maître-autel et des autels latéraux en 1860. Le chemin de croix et la chaire à prêcher sont mis en place en 1885, avec déjà à l'époque, ce qui était novateur, l'ajout d'une 15e station représentant la résurrection. Les chapelles latérales sont dédiées l'une à Marie et l'autre à Joseph. Des vitraux signés par les ateliers Binsfeld de Trèves en 1912 illustrent tout en finesse les principaux moments de leur vie et la façon dont ils ont accueilli l'enfant Jésus dans leur vie. De la finesse, on en trouve encore grâce à l'orgue actuel, datant de 1910, œuvre du facteur d'Alstein-Herfer de Boulay. Il présente un son très agréable et doux, ainsi qu'un buffet extrêmement travaillé et sculpté, orné de bois doré d'une belle qualité artistique. Il a remplacé un orgue de la même manufacture, construit en 1882. Avant cet instrument, l'église abritait un orgue de 1772 du célèbre facteur lorrain Joseph Dupont, qui se trouve aujourd'hui dans l'église d'Incrange, près de Boulay.